On se retrouve pour un nouvel épisode de Palworld, le 8. Alors, par rapport à l'épisode précédent, ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai capturé déjà un nouveau pal, un Foxicle, type glace, parce qu'il faut se rappeler que c'est du type plante, hein, la tour de la ligue pour la protection des pales, hein, la tour PETA. Donc ce qui se passe, hein, parce que voilà, il y avait une vidéo que j'ai faite aussi sur la PETA, où visiblement, ils veulent un Palworld vegan et où les pales ne meurent pas, mais comme je l'ai déjà dit, il y en a qui se suicident, donc ça va être difficile. Tout ça pour vous dire que je vais retenter, hein, parce que la dernière fois que j'ai fait, j'ai échoué, niveau trop faible. Donc là, j'ai équipé l'arbalète, donc je vais pouvoir le shooter, la princesse, shooter le Pokémon plante, enfin le pal plante, hein. Donc voilà, je vais donc me lancer et le timer va pouvoir se lancer également. Et le décompte va se lancer, c'est plutôt ça que je voulais dire. Je vais être extrêmement rapide cette fois. Mais attends, je voulais te tirer dessus, saleté. Ah là, voilà, quand même 104, ça va. Bon, ça va, c'est quand même jouable, normalement. Je vais viser la tête, on vise la tête. Wow, ça me court après, là. Enfin, elle court pas vraiment, elle flotte, on dirait. Si ça brûle, là. Bon là ça peut être jouable, ça peut être jouable parce que comme j'ai dit le dixième et dixième, un dixième de 69 000 ça fait, bah, ça fait 6900. Bon moi je me casse, hein. Bon on va quand même changer, on va prendre le chalet là, voilà on vise la tête, toujours la tête, bon on court, hein. Et ça court pas, ça flotte, mais quand même elle fait peur, hein, la saleté là. Est-ce que je peux... Bon, parce qu'on m'avait posé la question quand j'avais fait l'épisode pour le syndicat de Raid. Et non, on peut pas attraper. Bon, allez, comme je suis gentil, je vais gaspiller une balle pour vous. Déjà, on voit que avec ça, c'est niveau 25. L'autre, j'avais essayé, c'était niveau 10. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il faut enchaîner. Oh merde, c'est pas ça, putain, que je voulais faire. Oh putain. Comme ça. Oh, elle me casse le bouclier, là. Ah oui c'est vrai putain elle s'est fait tuer là. J'ai pas fait attention. J'étais trop absorbé par le combat. Ah oui là je vais prendre cher là quand même. Je prends cher. Ben King, ouais. Ah oui, mais c'est vrai que je peux prendre le Bushi, Là, je me suis fait tuer. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai découvert, mais que j'ai pas encore essayé. C'est que visiblement, je peux améliorer les pales. Il est possible d'offrir des âmes de pales pour améliorer les capacités des pales. Donc, je sais absolument pas. Bah, je vais essayer. Enfin, je sais qu'on peut le faire, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Mais sinon je peux augmenter les PV, l'attaque. Donc je pense que ça va être voilà. Défense. Améliorer. Ouais je pense que ça va être voilà. Là il en faut 2 pour augmenter encore. Voilà c'est ça devient. C'est plutôt proportionnel au carré. Hein. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, hein, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Hein, et tout ça jusqu'à voilà l'augmentation. Par exemple, 1 plus nana jusqu'à n, la somme c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Donc quand... Voilà, ça va tendre vers du n carré sur 2. Donc là, il y a 3, 4. Peut-être qu'après, ça va faire du 5. Je ne sais pas. Voilà. Si je regarde Bushi, là.
améliorer. 4. Donc on peut quand même améliorer un peu le Foxicle là. C'est vrai que voilà, le petit 3% qui fait plaisir. Ça va. Pen King peut prendre aussi un 3%. Après le truc c'est que il y a visiblement des voilà, qu'est-ce que réinitialiser, est-ce que je récupère voilà, c'est-à-dire que je peux récupérer peut-être si je prends par exemple le Bushi, lui j'en ai quand même mis pas mal. Donc je peux récupérer les âmes de pâle, hein. Mais il faut payer du fric. Et ça commence à coûter cher cette histoire. Alors c'est vrai que je parle pas beaucoup. Mais là, le truc c'est que je peux l'abattre. Parce que comme j'avais dit, hein, un dixième si je lui prends à chaque fois. Mais là, là je suis à 8 minutes. Je lui ai pris 12 000. Donc ça peut être jouable, en plus avec l'arbalète comme ça. Mais là il faut que j'évite j'ai le bouclier qui est revenu. Mais là il faut vraiment que j'évite de... Oh putain, là tu vois je parle. Il faut faire attention à l'environnement. Là j'ai pas trop tir avec l'arbalète. Oh putain, attends, il y a le coup là avec le... Comme ça. Faire attention là. Le C4. Voilà. Voilà. Là, c'est bien. Quand ça prend des dégâts comme ça, ça c'est bien. Mais le Bushi là, faut pas qu'il soit KO. Bon, je vais un peu m'éloigner là d'elle. Allez. Après peut-être le Pen. Ouais. Oh putain, faut que je... Oh putain, faut que je me fasse pas toucher par ça. Oh putain. Ouais, je dis beaucoup putain là. Mais là, c'est quand même tendu, hein. Putain, qu'est-ce qui m'arrive là? Oh putain, attends. Ouais, heureusement que j'ai le bouclier là, sinon je me faisais avoir. Heureusement que j'ai le bouclier quand même, ça va être pas mal. Ah voilà la fameuse attaque. Ah mais là je lui ai même pas mis la moitié là. Le truc c'est que là Bushi, ah oui c'est vrai que putain il m'a mis KO là le... Allez je vais te mettre toi là. Allez je cours là parce que je vais me faire Là, je suis bloqué dans le mur, là. Ce qui est une très mauvaise chose. Là, 32 000. Là, on l'enchaîne un peu, on l'enchaîne un peu. Ça, ça fait plaisir. Voilà, là, je lui mets la moitié. Donc, je peux arriver à gérer quelque chose. Ça peut être intéressant. Bon, le bouclier est là, donc voilà. Attends, je peux la viser l'autre au moins. Ah, je peux la viser en plus l'autre. Ça, c'est bien. Comme ça, là. Putain, arrête de bouger. Je veux juste te défoncer la gueule, ça va. Voilà, comme ça. Allez, Bushi, vas-y, attaque, Bushi. Ah là voilà, il a mis bien l'attaque comme ça, 1000 points de dégâts. Là je peux l'abattre, là je peux l'abattre. Ouais voilà, tu me toucheras pas. 22 000, il me reste 5 minutes. Bon 4 minutes 30.
je peux faire quelque chose, je peux l'abattre. Sachant que j'ai le bouclier, donc je peux prendre un coup. Oh putain, ouais. T'as 22 000, hein, le tiers là. Putain, ouais, me court après là. Bon, le bouclier revient. Elle me court toujours après, la saleté, là. Lilène, allez, vas-y. Lily Allen, là, arrête de me casser les couilles, là. Putain, je suis empoisonné ou quoi? Putain, c'est la totale, là. Ah, mais c'est vrai que, putain, il l'a tué, là. Putain, mais je suis empoisonné, en fait. Ou alors, j'ai faim, non? Ah, putain, je suis empoisonné, merde. Non, putain, je vais me faire là, je vais me faire tuer là. Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris arbalète empoisonnée, que j'ai capturé des Pokémon glace un peu plus fort. Alors le truc, c'est que il faut que je bourrine avec Bushi, mais il a pas forcément une bonne défense, donc il se fait assez battre rapidement, on va dire. Là, le truc, c'est qu'il faut l'empoisonner. Comme ça, là, on voit qu'il a pris la moitié, mais que quand même il fait mal, Bushi. Parce que là, je l'ai pris en 30 secondes, je l'ai pris 5000 points, même plus là. Donc c'est pas mal. Donc voilà, là il a la moitié. Que je fasse attention, hein, parce qu'il faut pas qu'il soit KO. Voilà, on voit que là, quand même, il bourrine. Il prend 1000. Comme j'avais dit, sachant que le dixième. Bon là je vais prendre, je vais attaquer avec d'autres. Parce que là voilà, en une minute je lui ai pris 12 000 points, donc et comme le Bushi il peut pas attaquer, sinon il se fait, enfin si je le laisse trop longtemps il va se mettre KO, il va se faire mettre KO. Et là c'est pour ça que c'est bien de l'empoisonner aussi, quand ça marche, hein, bien sûr. Parce qu'on voit qu'il a pris quand même cher, le Bushi. Voilà, comme ça j'échange. Parce que comme j'ai dit, il faut lui prendre au moins 7000 par minute. Donc là, 18000, ça va. En 2 minutes. Allez, Foxicle. On voit que le Bushi récupère pas vite les points. En plus, je me suis fait mettre KO1. Comme quoi, bon, la prochaine fois, je mets Bushi. Vous savez, je me suis fait mettre KO, j'ai même pas remarqué. Bon, on voit qu'il lui met cher, hein, Bushi. Voilà, putain, c'est ça en fait, hein. Là. Le petit rire là. Oh putain. Alors là, j'ai amélioré le Bushi. Et en fait, avec le. Voilà, là. Comme ça, ça le. Ça défonce bien le machin. Alors, je vais pas trop utiliser les trucs empoisonnés là. Parce que là j'ai galéré plusieurs fois, donc après dans la vidéo je sais pas combien de fois je vais vous montrer. Bon, je vais montrer quelque chose, mais bon, j'ai essayé un certain nombre de fois, mais là on voit que le Bushi prend cher quoi. Mais quand même il donne cher là. Parce que là il lui a infligé 5000 points quoi. Mais faut qu'il se repose, parce que quand il y a de l'eau. Alors ce que je devrais faire aussi, c'est quand je vois qu'il commence à attaquer, à retirer. Mais c'est vrai que je fais pas forcément attention à tout ça là. Non mais là c'est une mauvaise idée là, ce que j'ai fait. Après aussi regardez le... Ouais, là... Non, pas comme ça là. Là c'est moi qui prends le coup par contre. Voilà, quand c'est de la plante ça vaut pas grand chose. Voilà comme ça. Non, je pense que c'est le plus simple comme ça. Comme ça quand je vois qu'il commence à mettre de l'eau. Ah, ça a pas réussi là. En fait, quand je vois qu'il va lancer de la flotte. Voilà, faut. Voilà. Plante, ça va, ça prend pas de dégâts trop. D'abord, faut que je me libère là, parce que si je prends un coup, ça va être mauvais. Comme ça. Bon, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Faire attention quand il lance de l'eau.
putain, mais touche-le. Voilà, là c'est bien comme ça. Et là il commence à crever de faim, ça c'est pas bon. Alors je retente, hein, encore parce que je suis persistant, on va dire, têtu. Donc là l'idée c'est de faire en sorte que Bushi il soit pas mis KO et les autres vont servir de tampon. Là faudrait que je mette l'arbalète. Voilà, Bushi là il prend cher. Parce que c'est lui qui fait le plus de dégâts là, il lui a fait 4000 de dégâts en même pas 30 secondes. Donc moi que je cours. Il est juste derrière moi. Ah, je suis empoisonné en plus, putain, c'est bien ça. Ça c'est super ça. Quoi, c'est bien chiant d'être empoisonné. Bon, là ça y est, c'est bon. Alors ce que je peux faire, c'est vrai, c'est voir quand... quand elle commence à attaquer, comme ça moi je peux le, je peux protéger aussi, retirer. Bon, ça va, comme j'ai dit, il faut lui prendre, en fait il faut que je lui prenne à peu près 6900 par minute. Voilà, Bushi. Putain, là c'est moi qui prends des coups là. Ouais, c'est ça, faudrait en fait que je vois quand même quand je vois de l'attaque haut. Voilà. Bon, le bouclier normalement il prend 30 secondes à se régénérer. Donc ça va, la Foxicle résiste bien. Elle résiste bien, c'est bien ça. Et quand même elle fait des dégâts. Non, bah, je voulais pas faire ça, voilà. Ah putain, j'ai même pas vu que Foxicle avait été mis KO. Comme quoi, faut faire attention.
Ouh!